Tiken Wismith, c'est avant tout du courage et un petit grain de folie. Il s'est fait connaître grâce à un tube parfait dans cette vague gigantesque à Tchopo. Depuis, sans avoir remporté aucun titre, Tiken Wismith a signé un contrat avec un sponsor pour chevaucher les plus grosses vagues de la planète. C'est plus un feeling entre toi et l'océan, c'est vraiment la connexion avec les grosses houles. Et puis quand tu arrives sur un spot de grosses vagues, c'est vachement excitant. Enfin, je trouve ça beaucoup plus excitant que d'arriver sur un spot du WQS où tout le monde fait des compétitions où il y a un mètre. Depuis 5 ans, il parcourt le monde dès que le gros temps se lève. Mais pour faire face à des monstres de 15 mètres de haut, Tiken Wismith s'entraîne tous les jours. Une heure de course à pied en montée, de la plongée sous-marine pour le souffle et de la musculation, comme dans tous les sports. J'essaie de courir le plus possible, au maximum, surtout en montée pour avoir un bon cardio, pour que mon cœur soit bien en forme. Et tout ça, c'est le minimum à faire pour affronter les grosses vagues, quoi. L'entraînement est évidemment constitué de sessions de surf. Ce matin, Sapinus est trop calme. Cela se passera dans un autre spot. Comme de nombreux Polynésiens, Tiken Wismith n'aime pas vraiment la compétition, mais il fait une exception pour la Billabong Pro qui se déroule chez lui sur une vague qu'il aime. Si les vagues sont petites pendant les trials, c'est sûr que je ne vais pas surfer à mon top. Je vais essayer de me battre quand même, mais j'espère qu'il y ait au moins 1m50, 2m. Là, ça serait le minimum pour que je puisse bien m'exprimer. Tiken Wismith se donne encore 10 ans pour surfer les plus grosses vagues du monde, car les chutes, quand elles surviennent, peuvent être graves. L'an passé, il s'est fracturé le talon et 6 mois plus tard, il se luxait l'épaule. Les douleurs sont parfois toujours présentes et l'ont poussé à s'inscrire à la formation STAPS pour devenir professeur de sport. Il commence dès la rentrée, mais pour l'heure, toute son attention est captée par les triathlètes.